Salut les On est amis, on bien. se Grâce à Dieu. retrouve pour le dernier épisode de ce Let's Play Resident Evil 4, le remake. On se retrouve pour l'épisode numéro 21 et donc le dernier, c'est sûr, on est sur le chapitre 16, donc le dernier. On a plein de documents. Alors qu'est-ce que c'est? Email à propos de notre arrangement de lui, j'ai rassemblé les données de recherche que tu voulais, retrouve-moi à l'endroit de l'heure convenue, juste pour être sûr, tu vas me faire sortir d'ici, je te donne les marchandises. Hein. J'espère que tu n'as pas oublié l'ambre, sans lui les données ne servent à rien. Ce serait dommage que ton siège reste vacant, alors fais en sorte que je ne reparte pas les mains vides. Tu te souviens de la phrase de code, j'espère. Détends-toi, je n'ai pas oublié, et ne t'en fais pas pour l'ambre, je vais faire ce qu'il faut. Tu pourrais me prendre un paquet de cigarettes en chemin, n'importe quelle marque ferait l'affaire. Ok! Donc on a réussi à enlever le parasite de notre corps. Maintenant, on va continuer pour retrouver Monsieur Sadler. Oh. L'équipe d'Umbrella. Il y a Louis. C'est Louis au milieu là. Ok. Méthode d'éradication des plagues. Il y a deux moyens d'éradiquer les plagues, à l'infection antigène, à l'opération chirurgicale. Si l'œuf du parasite n'a pas encore éclos, il est possible de l'éliminer en l'administrant un antigène directement dans le corps. En revanche, dès lors que la phase d'incubation est terminée, il n'y a plus grand-chose à faire à part ralentir la croissance du parasite. L'autre méthode consiste à cibler et tuer le plagueur en utilisant des rayonnements d'une certaine longueur d'onde, mais l'opération comporte des risques. Si le parasite s'est accroché au système nerveux de l'hôte, ce dernier subira une douleur atroce. Il n'existe aucune anesthésie efficace pour ce genre d'opération. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, je pense. L'extraction chirurgicale comporte des risques importants même avant que le parasite ait fini de se développer. Une fois arrivé à maturité, il est trop tard. Extraire le parasite signifie la mort de son hôte. Mais vu qu'il attend de toute façon, la mort est peut-être un moindre mal. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, bien évidemment. Ok. Poudre, ok. On peut se faire encore des balles de mitraillage. Je pense que niveau mitraillage, on est large. Regardez-moi ça. On va juste essayer de se faire des balles de pompe si on peut. On réorganise ça. On a du soin. C'est pas mal. Tac, tac, tac. Bah écoutez, on est pas mal. Est-ce que j'ai de quoi? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Cet échantillon, je l'appelais l'ambre. Et rester longtemps à prendre la poussière dans la réserve, comme nous avions déjà assez d'échantillons pour nos expériences, celui-ci est passé inaperçu. À vrai dire, la seule chose qui m'a poussé à le ramener au laboratoire, c'est sa forme particulière. Mais après une brève analyse, j'ai vite changé d'opinion. L'ambre possède une qualité tout à fait unique, bien qu'il soit petit et dans un état de ptyotase. Il contient le même organe que celui trouvé dans l'espèce dominante, celui que nous avons vu uniquement chez Sadler. Une fois pleinement développé, l'ambre pourrait également voir surpasser la puissance de Sadler. Malheureusement, Sadler a récupéré l'ambre avant que je ne puisse faire de plus amples recherches. Il a peut-être des soupçons sur moi. Il faut que je remette la main sur cet échantillon et que je m'échappe pour continuer mes recherches ailleurs. C'est le seul moyen de contrer Sadler. Évidemment, je ne pense pas non plus que ce groupe venu de l'extérieur soit digne de confiance, mais je ne peux plus vraiment reculer. Avec un peu de chance, j'arriverai à négocier avec eux pour qu'ils me laissent tranquille. Je n'ai pas le choix, le monde en dépend. Ok. J'en connais un qui s'est servi dans les labos d'Umbrella. Tout à fait. Ils ont fait pas mal de choses, hein, franchement. Ok, et eh ben écoutez, let's go, hein. Let's go, let's go. On y va. Ok. Donc là, elle peut monter. On va voir avant d'y aller. Regarde, on pourrait utiliser ça. Ouais, 2 secondes. Hein, bouge pas. Je fais juste un petit tour. Voilà. J'ai l'impression que je peux pas y aller pour l'instant. Ouais, déroule le trésor. Ok. Bah go. Go 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 ma hache. Désolé. Je t'ai dit, on est une équipe. Allez Ashley, vas-y. T'as pris Merci. le coup de main. T'as vu?
Allez, parfait. Merci beaucoup, on y va. T'es sûr que ça va? Ah, j'ai jamais été aussi bien. Bah si, carrément, t'as jamais été aussi Tant mieux. bien. C'est pas ça. Il est où le trésor? Il est là. Un velours. Un velours, je prends, bien évidemment. De la ferraille, ok. Attends, j'ai pas assez de poudre. Munition de fusil, ah bah oui, mais bien sûr. Ok. Pour l'instant, ce que je vois, c'est pas mal, hein. Franchement, franchement. Ok. Il n'y a rien d'autre ici. Continuons. Tout est Ouh. en ruine. Cette femme qui nous a aidés, tu penses qu'elle va bien? Oh, je m'en fais pas Ouais. pour elle. Tu sais, elle est plutôt du genre coriace. On dirait que tu la connais bien. Ouais, c'est une connaissance, ouais. Oh là là! Ils sont chiants ces bêtes! T'en sors, Ashley? Ok. Allez, ça dégage. Alors, Illuminados, dernier chapitre. Loués soient les insectes sacrés, le paradis sur terre nous est promis. Hommes, femmes ou enfants, son amour est le même pour tous. Bêtes, poissons ou oiseaux, chaque créature recevra sa bénédiction. Loués soient les insectes sacrés, nous sommes les humbles serviteurs de Dieu. Sa sagesse franchira les montagnes, son omnipotence traversera les océans. La lumière céleste se trouve en toute chose. Que nos corps soient un terreau fertile. Loués soient les insectes sacrés, nous sommes le troupeau et le berger nous guide. Nos prières seront chantées dans le monde entier, elles seront entendues par tous. Enfin, nous serons plus nombreux que les étoiles. Ça inspire vachement confiance. Osmund. Osmund Stadler. Oh, pendentif des Illuminados. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Monolithe originel, MDIV, dans les profondeurs du château. J'ai trouvé ma foi, contemplé les vestiges divins laissés sur cette terre. Tout commence ici. Adam Sandler. Par où faut passer là? Ah, ça, c'est un truc à vendre. Ok. J'avoue que pour l'instant, je sais pas où faut aller. Ah, là. Allez, Ashley. Merci. De rien, t'inquiète, tout va bien. Ok. Oh, plus je t'avais vu, punaise. Why? Ah, vous êtes deux! Allez, ça dégage. Désolé ma hache, hein. Tout va bien.
Ça, c'est fait. Parfait. Et on a notre très charmant vendeur là-bas. Voilà, qui est bien. Bonsoir. Un lingot d'or. Bonsoir, mon Y a pas cher. de mal à se faire plaisir. Bah écoute, ouais. Ok, parfait. Là, on peut save. Allez, monsieur. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, ce que tu vas pouvoir faire, c'est modeler une arme pour répondre à tes besoins. Me réparer Oh, ça. comme neuf. Nous, on va te vendre. J'ai besoin de la clé de Louis. Si très des choses à faire, tu ferais bien de t'en occuper avant d'aller par là. Ce serait vraiment dommage d'avoir des regrets pour le restant de tes Ok. jours. Bienvenue. Ça veut clairement dire qu'après Alors, là, qu'est-ce que on t'achètes? le reverra sans doute plus, notre ami. Bon, écoute, on va te vendre plein de choses. Genre tout ça là. Merci. Les Ah, armes dommage. sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Est-ce que ce sera tout? Reviens quand tu veux, surtout. Je pense qu'on va continuer comme ça pour l'instant. Oh oui. Alors là. Mais tous les jours, hein. Tu m'en fais 8, c'est énorme. Allez, go. Quoi? C'est Ada? C'est Ada. Ada. Il essaie de m'appâter. C'est Ada Wong. Il faut aller la sauver. Reste là. J'en ai pas pour Quoi? longtemps. D'accord. Moi, je l'aurais pas laissé ici. Ok! On est parti pour le combat final, les gars! C'est parti! Allez, mange ça! Ok, putain, il fait penser à Jack dans RE4, hein. Wow! Qu'est-ce qu'il a fait là? Ouais, il arrive. Waouh! Casse ça! Allez, on saute. Ok. Waouh! Waouh! Mais il fait des bonds de fou!
Ok, saute. On va attaquer au bon moment. Ok. Wouhou! Ok. Je m'en fous de ton corps sacré, je m'en fous. Allez, on court! Allez! Mange ça! Wouh! Esquive! Ce qui est bien, c'est qu'on a une grande portée. Waouh! Ok. On voit, il fait des bons, le garçon. Le garçon, il décide de faire des bons. Waouh! Il nous a eu. Je suis piégé. Je peux plus bouger! Oh! Ok, descends. Oh la vache! Monte. Ok. Oh non, elle envoie ses bêtes là. Je crois. Ouais. Ok. Ok, ce qu'on va faire, on va monter là. On va utiliser une greue. Pistolet, je prends. On va utiliser une greue. J'ai que des grosses, c'est pas grave. Ça va bien leur faire mal comme ça. Allez, boum! Waouh! Ah, mais t'es déjà là! Ok. Wouh! Est-ce qu'il est chaud le bougre? Ok, grenade encore. Ok. Oh! Ça, j'arrive pas à viser! Descends! Ouh! Oh, c'est chaud de ouf! Ouais! Oh, Sadler! Je n'arrive pas à le viser! C'est assez perturbant! Allez, viens par là! Ça fait mal, ça, hein! Oh là là! Ok. Ça te fait mal, hein? C'est vieux, là. Ok, pas mal ce qu'on produit là. Non. Ok. Ok, grenade encore. Là, je m'en fous, j'envoie tout ce que je peux. Why? Non. Soin. Là, il y a moyen de se faire un bon mélange. Voilà. Et encore une fois. Voilà. Moyen de se faire des balles de mitraillèche. Enfin, ça meurt, je t'aime bien, mais là, tu me foules un peu, là. Non. Ok. Wouh!
Oh oui, barre de fusil. Ça c'est beau ça. Ça on prend. Là il faut bouger. Allez, 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 Léon, Léon, Léon. Fais pas de conneries s'il te plaît. Il est où? Wouah! Toi tu m'as fait peur le bougre. Oh là là, la vache, il fait mal! Ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Il te faut combien de balles? Objectif, avoir ses yeux, hein. Oh, c'est chaud ce qui se passe. Voilà. C'est bon, il est à terre. Allez, viens là. Mange ça. Ok. Il est down. Ok. Enfin un look qui convient à cette heure. C'est que l'astre danse dehors. Dommage. Wouhou. C'est pas moi le problème. C'est toi. J'espère que c'est bien tiré de là. Ah merde. Allez, allez, allez. Balle. Oh la vache. Oh la vache. Merde. Et si on n'utilisait pas le magnum là? Yes. C'est ce que j'attendais. C'est exactement ce que j'attendais. C'est maintenant. Ada, tu fais quoi? Le prends pas mal, Léon. Louis et moi avions un accord. T'en fais pas, j'en prendrai bien soin. L'hélico est là. Tu viens? Je crois qu'on sait tous les deux que c'est ici que nos chemins se séparent.
Je vois. J'en sais rien. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que... On se tire. Il va sauter. Elle va quoi ? Elle va sauter. Ok les gars, là on est sur un petit timer. Un petit moment de pression. Il va falloir quitter l'île rapidement. Allez, let's go. Pas de temps à perdre. Tout va exploser. Juste attends, je sauvegarde parce qu'on sait jamais. Allez, let's go. Pas de temps à perdre, pas de temps de niaiser. Là, on donne tout et on y va, Ashley, on perd pas de temps. Ouais, ouais, ouais. C'est pas encore fini. Ça, c'est clair. Allez, on saute, on saute, on saute, on saute. Allez, 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 allez. Une petite phase d'action sympathique. Oh là là, il m'a fait peur. Oh la vache. Dégage de là. Ok, ok, ok. J'en sais rien mais je me casse. Il n'y a rien à récupérer hein. De toute façon on doit accélérer là. Allez. Allez, 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 allez. Allez Léon. Force, courage. Let's go. Allez, 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 allez. Ok. Bien joué, Ada. Ok. Quelle les sensations fortes. Carrément. Alors, tu vas adorer ça. Ok, petite phase de bateau, sympathique, les gars. Ok. Wouhou. Et merde. Ah, oh, punaise. Pas de me prendre les trucs. Oh la vache. Oh punaise. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Wow. Accroche-toi, accroche-toi. On y est presque. Oh la vache. C'est stylé de ouf. Là je kiffe. Un peu d'action comme ça là. Ça fait plaisir. Oh là là. Oh là là. Allez, il nous reste quelques secondes. Let's go. Let's get it. Ok. Le petit saut. C'est géré. Ok. Allez, allez, je vois la lumière. Je vois la lumière. Ça va? Je sais pas. C'était dingue. Accomplie. Elle sera accomplie. Quand tu seras chez toi. Merci de m'avoir sauvé. Y a pas de quoi. Tu sais, je pourrais glisser un mot à mon père pour que tu sois mon garde du corps si ça te dit. T'as pas besoin de moi. T'as prouvé que tu savais te défendre.
Même s'il faut que tu fasses gaffe avec les couteaux. Allez, on rentre. Condor 1 ? Perchoir à Condor 1, tu me reçois ? Réponds ! Allez, réponds ! C'est allumé au moins ? Léon ! Léon, vous allez bien tous les deux ? Mais où est-ce que t'es ? Réponds ! Et c'est comme ça que se termine notre fabuleuse aventure sur ce Resident Evil 4 remake, les gars. Franchement, Resident Evil 4 est clairement l'un de mes Resident Evil préférés, si ce n'est le meilleur pour plein de gens, et je comprends. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé celui-là, mais c'est pas mon préféré. Mais je l'ai beaucoup aimé. Là, je me rappelais plus trop de l'histoire parce que je l'ai fait, comme je disais, il y a très très longtemps. Donc il y a plein de choses que j'ai oubliées. La fin, elle est bien faite, je trouve. Ils ont vraiment respecté tout de bout en bout. Ils sont dans la lignée de tous leurs remakes qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc franchement, le remake du 1 était bon. Le remake du 0 était bon. Remake du 2 aussi. Le 3, il manquait un gros élément, donc je trouve que c'est l'un des moins réussis, mais bon, il est quand même pas mal. Et le 4, franchement, mais j'ai adoré, les gars, j'ai adoré. Il est dans la lignée de tous les Resident Evil remakes qu'ils ont fait. J'ai adoré, je sais pas si vous l'avez fait ou non, si vous avez bien aimé le jeu. Perso, j'ai adoré proposer ce let's play, c'était vraiment lourd. Il était vraiment vraiment bon, les gars. Ils ont tout remaké à la perfection, je trouve. Il était pas... Enfin, en mode normal, il est pas si dur que ça. Franchement, il se fait. Ça va. Niveau difficulté. Mais en tout cas, superbe remake, superbe aventure avec Léon. Il était tellement attendu, ce jeu, je vous jure. Il était tellement attendu depuis le temps. Et ils nous l'ont présenté, ils nous l'ont fait pour tous les fans de Resident Evil. Ils nous l'ont fait et maintenant, écoutez, on a été satisfaits. On espère tous que il y aura un remake de Resident Evil 1, un remake en HD, parce que le 1, c'est voilà une claque pour ceux qui l'ont pas fait. Le 1, c'est vraiment un bon Resident Evil. Et est-ce que je vois, il y a une petite scène post-crédit. Passe-le-moi. J'ai obtenu l'ombre. Excellent. Juste une question. Qu'est-ce que vous comptez en faire ? Je ne te paie pas pour poser des questions. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'une nouvelle ère se profile. Une centaine de personnes mourront pour qu'une seule survive. Et moi, je suis le moteur de ce changement. Donc, on parle de millions de victimes. Milliards. Très ambitieux. On change de cap. Tout de suite. Et comme on l'a vu, les gars, on parlait de Resident Evil 1, et ben voilà, Wesker. Je crois que c'était Wesker qui parlait à Kada, hein. Un grand antagoniste, on le connaît. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré vous proposer ce let's play, les gars, j'espère que toutes les vidéos vous aura fait plaisir. On va essayer de mettre en place pas mal de contenu sur la chaîne, même si c'est un peu compliqué.
J'essaierai de revenir de temps en temps quand je pourrai. Enfin, je fais au mieux parce que c'est par manque de temps, c'est un peu compliqué. J'espère quand même que l'espèce vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner les gars pour ceux qui ne sont pas abonnés. Lâchez vos meilleurs pouces bleus et pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée. C'était Seifu, prenez soin de vous et je vous dis à la fin prochaine. Tchuss!